On va prendre un diopte sphérique ici, concave. Le centre C, le sommet S, derrière une courbure R. Comme pour le miroir sphérique, on va faire tous les calculs avec le diopte sphérique concave, mais on va généraliser les résultats pour le diopte sphérique convexe et concave. Parce que les résultats seront les mêmes pour le diopte sphérique convexe et concave. Donc les résultats qu'on va trouver ici seront valables pour le diopte sphérique convexe et pour le diopte sphérique concave. Donc c'est des résultats qui sont valables pour tous les diopes. Ici, on a pris un diopte sphérique concave. De centre C, de sommet S, de rayon de courbure R. Ça, c'est un rayon de courbure. CI, c'est un rayon de courbure. CS, c'est un rayon de courbure. On a pris un objet A et on veut construire son image. On trace un premier rayon incident. Ici, I, l'angle d'incidence est égal à I. On a N qui est supérieur à N'. Donc, l'angle d'incidence est inférieur à l'angle de réfraction. Ici, l'angle de réfraction est égal à I'. Donc, ici, on a donc le rayon réfracté qui est là. Notre second rayon incident est le rayon en bleu. On le trace, il passe par le sommet et par le centre optique, donc il n'est pas dévié, il continue. Le point de rencontre de ces deux rayons ainsi réfractés, le rayon réfracté 1 et le rayon réfracté 2, va donner l'image du point A, qu'on va noter A'. On voit ici que le point de rencontre, c'est ici. Et ça, on va le noter A'. Donc, on a tout. Maintenant, ici, ça, c'est l'angle d'incident. Ça, c'est l'angle de réfraction I'. Ça, on va le noter θ, comme on l'a noté. Cet angle-là, on va le noter U. Et cet angle-là, on va la noter U'. Ça, c'est le milieu d'indice N. Ça, c'est le milieu d'indice N'. On voit ici maintenant, on va essayer de déterminer les angles I en fonction de θ et U. Les angles I', l'angle I' en fonction de U' et θ. On a que... Donc, si on prend le triangle ACI, on a U plus I plus pi moins θ qui est là, pi moins θ égale à pi. Et si on fait un calcul ici, les pi vont s'en aller et on va avoir I égale à θ moins U. Si on prend maintenant le triangle A'I, C, on a U' plus θ plus pi moins I' qui est là, pi moins I' qui est là, cet angle-là, pi moins I', parce que si vous voyez bien ici, ça c'est I', et si on prend tout ça, c'est un angle de pi. Donc ce qui reste, c'est pi moins I'. Donc on a θ, U' plus θ plus pi moins I' égale à pi. Et si on fait le calcul ici, on va aller pi qui vont s'en aller, il restera I' égale U' plus θ. Donc ici, notre relation 2 nous donne I égale θ moins U et I' égale U' plus θ. Et comme nous sommes dans les conditions de Gauss, les rayons incidents sont proches de l'axe optique, comme on l'avait fait pour le miroir sphérique ici. Le S là, il peut être confondu avec l'H. Le S, il peut être confondu avec l'H parce que c'est comme si on avait une ligne droite simplement ici. Si vous voulez voir ça, vous prenez votre cercle et vous prenez une petite portion du cercle. Vous voyez que c'est comme si c'était une droite. Simplement ça qu'on a fait ici. Donc le S est confondu avec l'H. Non, ici, en prenant les triangles H, I, A, en prenant le triangle H, I, A, on a tangente de U. Tangente de U égale côté opposé, donc H, I, sur HA. Si on prend le triangle HIA', on a tangente de U' égale HI sur HA', qui est là. Et si on prend le triangle HCI, on a tangente de θ, qui est égal à HI toujours sur HC. Et comme on est dans les conditions de Gauss, les angles sont faibles. Tangente de U égale à environ égale à U. Tangente de U' environ égale à U' et tangente de θ environ égale à θ. Donc on a U qui est égal à HI sur HA, U' qui est égal à HI sur HA' et θ qui est égal à HI sur HC. En utilisant la loi de Kepler, qui est une approximation de la loi de Snell-Descartes pour les angles faibles, on a donc qui est la loi de Kepler qui est NI égale N'I, et en remplaçant I et I' par leur valeur dans ces relations-là, dans ces relations 2-là, dans la relation 2, si on remplace I et I' par leur valeur dans la relation 2 et 4,
On va le remplacer dans la relation, par la valeur dans la relation 2. On remplace ça dans la relation 4 ici. On aboutit à la relation ici, n. Hi sur hc moins hi sur ha égale n' hi sur ha' plus hi sur hc. Comment ça? On a la loi de Kepler qui dit ni égale n'i'. Si vous voulez plus de détails sur ce calcul-là, le fascicule vous donnera plus de détails sur ce calcul. Parce que le i, on l'a remplacé par θ moins i moins u, le θ moins u qui est là. Et le i prime, on l'a remplacé par u prime plus θ. Simplement. Si on remplace ça par u prime plus θ, θ moins u, n, donc n, θ moins u, hi sur hc moins hi sur ha, n prime, θ plus u, hi sur ha prime, plus hi sur hc, u prime plus θ. Simplement ça. Et ensuite, ici, on simplifie par hi. Lorsqu'on simplifie par hi, tous les hi là vont s'en aller, il restera 1 sur sc, n, facteur de 1 sur sc, moins 1 sur sa, égale n prime, 1 sur sa prime, plus 1 sur sc. Maintenant, après, en remplaçant ça par les valeurs algébriques, en faisant le calcul d'abord ici, en faisant un calcul, en prenant le 1 sur sc ici, les 1 sur sc en les amenant dans ce côté, et le 1 sur sa en l'amenant ici, on a 1 sur sa prime, n prime, 1 sur sa prime, moins n, 1 sur sa, on a moins n prime, excusez-moi, on a moins n prime. Tous les détails du calcul là sont dans le fascicule. On a moins n prime, 1 sur sa prime, moins n, 1 sur sa, égale à moins n, 1 sur sc, plus n prime, 1 sur sc. Maintenant, si on prend les valeurs algébriques ici, si vous prenez les valeurs algébriques ici, vous avez que sc qui est là, sc qui est là, est négatif. La valeur algébrique de sc est négative. La valeur algébrique de sa est négatif et la valeur algébrique de sa prime est positif. Donc, ce qui fait que si on prend les valeurs négatives ici, moins n sur 1 sur sa va devenir plus n sur sa. Voilà, algébrique de sa qui est là. Moins n prime sur sa prime va devenir toujours moins n prime sur sa prime. Excusez-moi. Et n prime moins n sur sc va devenir n moins n prime à cause du moins n prime sur sc, ce qui donne que la relation de conjugaison sera n sur sa moins n prime sur sa prime égale n moins n prime sur sc. Et ça, c'est la relation de conjugaison du diop sphérique avec origine au sommet. Maintenant, on va essayer de définir, de calculer les foyers principaux. Contrairement au miroir sphérique, pour le diop sphérique, on va avoir deux foyers principaux qu'on va définir ici. On va avoir le foyer principal image et le foyer principal objet. Pour le foyer principal image, qu'est-ce qu'on fait? Pour le foyer principal image, on va tendre l'image, l'objet vers l'infini. C'est-à-dire que si on tend l'objet vers l'infini, c'est comme si les rayons incidents, parce qu'un objet qui est infini, ça veut dire que la droite donc coupe, la droite coupe l'axe optique à l'infini. Donc, ça veut simplement dire que les droites issues de l'objet A sont parallèles à l'axe optique. Donc, si l'objet est à l'infini, ça veut dire que les rayons incidents sont parallèles à l'axe optique. Donc, comme les rayons incidents sont parallèles à l'axe optique, comme pour le miroir, ils vont converger vers un point qu'on va appeler F', qui est le foyer principal image. Donc, l'image ici de A' sera égale à F', qu'on va appeler foyer principal image. Donc, pour trouver cette relation-là, pour trouver cette relation-là ici, SF', pour trouver cette relation, il faut simplement reprendre la relation de conjugaison avec origine. Il faut simplement prendre la relation de conjugaison avec origine au sommet et faire tendre SA ici vers l'infini. Si on tend SA vers l'infini, ça tend vers 0. Et A', on va la remplacer par F', parce que l'image sera maintenant F'. On a donc directement moins N' sur SA'. Et si on prend l'inverse de ça, on va avoir SF' égale N' sur N' moins NSC. SF' égale N' sur N' moins NSC. Simplement, si vous regardez bien ici, il restera moins N' sur SF' valeur algébrique égale N moins N' sur SC. On prend l'inverse, ce sera
SF' sur N' égale N' moins N égale SC sur N' moins N. Après le N', on l'amène ici, on a SF', donc qui est égal à N' sur N' moins N, SC, simplement. Maintenant, l'autre foyer qu'on va avoir, c'est le foyer principal objet. Le foyer principal objet ici, pour avoir le foyer principal objet, on va tendre l'image vers l'infini. Le foyer principal objet, c'est les objets qui vont donner une image qui est à l'infini. L'image qui est à l'infini, donc ça veut dire que les rayons vont être parallèles, les rayons réfractés vont être parallèles à l'axe optique. Image infinie, rayon parallèle à l'axe optique. Donc pour l'image infinie, donc c'est ici, on va faire tendre SA vers l'infini. Si on tend SA vers l'infini, il restera N sur SF. C'est le foyer principal objet. Égale N moins N' sur SC. On prend l'inverse, ce sera SF sur N égale SC sur N moins N'. Maintenant, ce qui fait que SF sera égal à N sur N moins N' SC. C'est simplement ça. SF égale N sur N moins N' SC. On voit ici donc que les deux foyers ne sont plus confondus. Les deux foyers ne sont plus confondus contrairement au miroir plan. Et pour retrouver le cas du dioptre plan, il faut simplement tendre SC vers l'infini. Si on tend SC vers l'infini, on retrouve la relation de conjugaison du dioptre plan. Comme on l'avait dit, le dioptre, un dioptre plan est un dioptre où le rayon se trouve à l'infini. Le centre se trouve à l'infini, excusez-moi. Donc ici, les relations de, on a deux foyers principaux d'image. On a deux foyers principaux, excusez-moi. Le foyer principal image SF, F' et le foyer principal objet F. Et on va se rendre compte en faisant les constructions que les foyers vont se trouver de part et d'autre du dioptre plan. Donc, on va essayer maintenant de définir la distance focale et la vergence. Pour la distance focale, c'est simplement la distance focale simplement égale à la valeur algébrique de SF'. C'est ça la distance focale. On parle de distance. Ici, il faut bien faire la différence. F' ici, une distance focale. On la nomme distance focale, mais c'est une valeur algébrique. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Comme c'est une valeur algébrique, elle peut être positive comme elle peut être négative. La vergence, c'est simplement n' sur la distance focale. C'est ça la vergence. N' sur la distance focale. Donc la vergence C sera égale à n' moins n sur SC. C'est ça la vergence. N' moins n sur SC. Maintenant, pour dire qu'un dioptre est convergent ou bien qu'un dioptre est divergent, on aura deux conditions. Le dioptre ici, on va dire que le dioptre est convergent si n' moins n et SC sont de même signe. Si n' moins n et SC sont de même signe, alors on va dire ici la vergence elle est positive et on va dire que le dioptre est convergent. Si n' moins n et SC sont de signe contraire, la vergence est négative et on va dire que le dioptre est divergent. Pourquoi la vergence est négative? Regardez ici. N' moins n sur SC, de même signe, la vergence est positive, ça c'est vrai. N' moins n, de signe contraire, la vergence est négative. Maintenant, une autre façon de voir ça aussi, de voir qu'un dioptre est convergent ou qu'un dioptre est divergent, si vous regardez ici, si vous regardez à la relation SF', si vous regardez la relation SF', si n', on sait que n' est positif. Maintenant, si n' moins n et SC sont de même signe, ça veut dire que SF' est aussi positif. La valeur algébrique de SF' étant positive, donc F' se trouvera après S. Si vous regardez N' moins N et SC, s'ils sont de signe contraire, SF' est négatif, donc F' se trouvera avant F, avant S. Donc ici, on pourra aussi dire que le dioptre est convergent si F' se trouve après S, et le dioptre est divergent si F' se trouve avant S. Ou bien on pourra dire aussi que le dioptre est convergent si SF' est positif, et le dioptre est divergent si SF' est négatif. C'est bon, c'est ce qui est dit ici. Lorsqu'on remarque que les dioptres, on remarquera que les dioptres à foyer principal image réel, les dioptres à foyer principal réel sont convergents et les dioptres à foyer virtuel sont divergents. Donc, si le dioptre se trouve dans l'espace, par exemple ici, l'espace réel, l'espace virtuel, les dioptres c'est toujours le même espace. On a toujours le même espace réel et le même espace virtuel. Donc, ici, ça, cette partie, c'est l'espace réel, objet réel. Cette partie, c'est l'espace image réel. Donc, si le dioptre, on voit ici, si SF est positif, le foyer principal image se trouvera ici, et on verra que le foyer principal objet se trouvera de ce côté. Donc, ici, le foyer principal objet, comme il se trouve dans l'espace objet, il est réel. Le foyer principal image, comme il se trouve dans l'espace image, il est réel. Donc, si les foyers sont réels, le dioptre est convergent.
Maintenant, si SF est positif, le foyer principal image se trouvera ici et le foyer principal objet se trouvera là. Donc, le foyer principal image, comme il se trouve dans l'espace objet, il est virtuel. Le foyer principal objet, comme il se trouve dans l'espace image, il sera virtuel aussi. Donc, si les foyers principaux sont virtuels, le dioptre sera dit divergent. Donc, une autre façon de voir que le dioptre est convergent ou bien que le dioptre est divergent, c'est de simplement voir si les foyers sont réels. Si les foyers sont réels, le dioptre est convergent. Si les foyers sont virtuels, le dioptre est divergent. C'est bon. Maintenant, on va essayer de voir la relation de conjugaison avec origine au foyer. Pour la relation de conjugaison avec origine au foyer, on va simplement utiliser les relations définissant la position des foyers. SF' qui est égal à n' sur n' moins nsc et SF qui est égal à n sur n moins n' sc. On va ensuite multiplier la relation de conjugaison avec origine au sommet par sc sur n moins n'. On va multiplier par sc sur n moins n'. En multipliant cette relation de conjugaison avec origine au sommet sc par n moins n', les détails sont dans le fascicule. On va se retrouver avec cette relation. SF sur SA plus SF' sur SA' égale 1. Maintenant, on va injecter dans ici, on va injecter F avec la relation de Charles. Et ici, on va injecter F'. On va se retrouver avec cette relation. SF sur SF plus FA plus SF' sur SF' plus FA' égale à 1. Avec cette relation-là, en réduisant au même dénominateur, en réarrangeant le calcul, on va se retrouver avec cette formule. Les détails sont dans le fascicule. On va se retrouver avec cette formule SF multiplié par SF' égale FA multiplié par FA'. Et ça, c'est la relation de conjugaison avec origine au foyer qu'on va aussi appeler la formule de Newton. Maintenant, pour la relation de conjugaison avec origine au centre, on va reprendre notre schéma. Maintenant, ici, on va réutiliser les règles du triangle quelconque qu'on avait pour le miroir plan, le miroir sphérique, ces règles-là. Cette règle, sinus de A sur BC égale sinus de B sur AC égale sinus de C sur A. Cette règle-là qu'on va utiliser. Si on utilise cette règle, en prenant le triangle CIA', on a sinus de pi moins I', sinus de pi moins I', qui est égal à sinus de I' aussi. Sinus de pi moins I', c'est égal à sinus de I', règle de trigonométrie, relation trigonométrique. Sinus de pi moins I', qui est égal à sinus de I' sur CA, égal à sinus de U' sur R. Ça, c'est un rayon. Donc, sinus de I' sur CA' égale sinus de U' sur R. C'est la première relation. La seconde relation, c'est sinus de I sur AC. Ici, c'est CA seulement, il n'y a pas de prime. Sinus de I sur CA égale à sinus de U sur R. Sinus de I sur CA égale sinus de U sur R. Maintenant, comme on est dans les conditions de Gauss, on peut réécrire ici que I' sur CA' égale U' sur R et I sur CA, c'est CA toujours, égale U sur R. I sur CA égale U sur R. C'est la relation 7. Maintenant, si on se souvient de notre relation 2 qu'on avait vue pour la relation de conjugaison avec origine en sommet, cette relation 2-là, cette relation 2, ici, ça ne donne que U égale I θ moins I et U' égale à cette relation 2-là. Vous pouvez noter ça, ça va nous donner. U égale θ moins I. Et U' égale I' moins θ. Si vous revenez ici, vous allez voir ça. U' égale I' moins θ. On amène le θ ici. U' égale I' moins θ.
remplaçant la relation 8 là dans la relation 7 et en remarquant que R est égal à CS, R, CS est un rayon, R est égal à CS, en remarquant que R est égal à CS, on a quoi? On a, après avoir réarrangé ici, on a I, facteur de moins 1 sur CA, plus 1 sur CS égale θ sur CS, et I prime, excusez-moi, I prime, et I, facteur de 1 sur CA, plus 1 sur CS égale θ plus CS, sur CS. Comment ça? Ici, I prime, on a U qui est égal à θ, I prime moins θ, I prime moins θ sur CS. Donc ici, I prime moins θ sur CS, on va avoir I prime moins I prime sur CA prime moins, si on amène le I prime sur CS ici, donc on va avoir moins I prime sur CS égale moins θ sur CS. Donc ici, en multipliant par moins, on a donc moins I prime sur CA prime plus I prime sur CS qui est égal à θ sur CS. Et on factorise par I prime, on a I prime facteur de moins 1 sur CA prime plus 1 sur CS égale à θ sur CS. En remplaçant ici I sur CA égale à θ moins I sur CS. Θ moins I sur CS, le I, on l'amène ici, on a I sur CA plus I sur CS égale θ sur CS. On factorise par I, on a 1 I facteur de 1 sur CA plus 1 sur CS qui est égal à θ sur CS. Ainsi, en regardant que les deux relations, la θ sur CS et on a θ sur CS ici, en égalisant ces deux relations, on a I prime. 1 sur CS moins 1 sur CA prime égale à I, 1 sur CA plus 1 sur CS. En prenant la relation 9, et en se souvenant de la loi de Kepler ici qui dit que N prime I prime égale NI, donc I prime égale N sur N prime I, en remplaçant cette relation-là dans la relation 9 qui est là, dans la relation 9 qui est là, dans la relation 9 qui est là, on a quoi? On a que N, 1 sur CS moins 1 sur CA prime égale N prime, 1 sur CA plus 1 sur CS, qui est la relation 10. Pour remplacer simplement, vous allez retrouver les mêmes résultats. Donc, en réarrangeant maintenant la relation 10, on a quoi? En réarrangeant la relation 10, on a quoi? On a que N prime sur CA plus N sur CA prime égale N prime sur CS moins N sur CS. Maintenant, ici, on a réarrangé. Maintenant, on va prendre les valeurs algébriques. On va regarder notre schéma. On a CA négatif, CS positif, CA prime positif. En se souvenant de la loi de Kepler qui dit que N prime I prime égale NI, donc on tire ici I prime qui est égal à N sur N prime I. Et en remplaçant cette relation, la loi de Kepler dans la relation 9 ici, dans cette relation 9, on aboutit à la relation 10 qui est là, qui est N 1 sur CS moins 1 sur CA prime égale à N prime 1 sur CA plus 1 sur CS prime. Maintenant, si on réarrange cette relation-là en amenant le N prime sur CA ici et le N sur CS de ce côté, on se retrouve avec cette relation-là. Moins N sur CA prime moins N prime sur CA égale N prime sur CS moins N sur CS. Si on multiplie par moins, on a N sur CA plus N prime sur CA, N sur CA prime plus N prime sur CA qui est égal à N sur CS moins N prime sur CS. Maintenant, en prenant les relations de conjugaison et en voyant que CA, valeur algébrique, est négative, CA prime est positive et CS est positif, on a quoi? On a N sur CA prime va devenir, va rester N sur valeur algébrique de CA prime. N prime sur CA va devenir moins N prime sur valeur algébrique de CA parce que CA est égal à moins CA prime. CA est égal à moins CA. Voilà, valeur algébrique de CA est égal à moins la distance de CA. Donc, on a N CA prime moins N prime sur valeur algébrique de CA qui est égal à N moins N prime sur valeur algébrique de CS parce que c'est positif. Cette relation-là, ça qu'on va appeler la relation de conjugaison du diopte sphérique avec origine au centre. Relation, on l'appelle relation de conjugaison du diopte sphérique avec origine au centre. Non? Ici, donc, on a vu toutes les relations de conjugaison, les foyers principaux, ces choses-là, il faut les retenir. Relation de conjugaison, les foyers principaux, la vergence, quand est-ce qu'un diopte est dit convergent, quand est-ce qu'il est dit divergent. Ça, il faut les retenir, ça.
Donc, on va s'attaquer aux règles de construction. La première règle de construction ici, c'est tout rayon incident passant par le centre C n'est pas dévié. Tout rayon incident passant par le centre C n'est pas dévié. Tout rayon incident qui est parallèle à l'axe se réfracte en passant par le foyer principal et marge vectorielle. On a vu que tous les rayons qui viennent de l'infini convergent vers le foyer principal et marge. Lorsqu'on définissait le foyer principal et marge, c'est cette règle qui est là. Tout rayon incident parallèle à l'axe se réfracte en passant par le foyer principal et marge. La dernière règle, c'est tout rayon incident passant par le foyer principal objet se réfracte en étant parallèle à l'axe optique. On a vu que pour le foyer principal objet, les images sont à l'infini, donc les rayons réfractés sont parallèles à l'axe optique. Les trois règles, donc, c'est tout rayon incident passant par le centre ne subit aucune déviation. Tout rayon incident parallèle à l'axe se réfracte en passant par le foyer principal image F'. Et tout rayon incident passant par le foyer F se réfracte en étant parallèle à l'axe. Donc, on va voir quelques exemples de construction. Ici, on a un dioptre qui est convergent. Un dioptre qui est convergent, donc F, le foyer principal objet, il se trouve dans l'espace objet. Et F2, le foyer principal image, qu'on a appelé ici le foyer principal image, il se trouve dans l'espace image. La première règle est là. L'objet, il est là, perpendiculaire à l'axe optique. On a A1, B1 qui est l'objet qui est perpendiculaire à l'axe optique. On a la première règle. Tout rayon incident passant par le centre C n'est pas dévié. Il passe par le centre sans être dévié. Tout rayon incident parallèle à l'axe ici, tout rayon incident qui est parallèle à l'axe, émerge en passant par le foyer principal image. Il émerge en passant par le foyer principal image. Il est là. La troisième règle, tout rayon incident passant par le foyer principal image, par le foyer principal objet, excusez-moi, tout rayon incident passant par le foyer principal objet, émerge en étant parallèle à l'axe optique. Maintenant, ici, pour construire l'image de B1, on va voir le point de concours de ces trois rayons. Le point de concours de ces trois rayons, ici, c'est le point de concours. C'est ça qu'on va appeler l'image B2. L'image B2 qui est là. Maintenant, pour avoir l'image A2 de A1, on va faire la projection orthogonale de B2 sur l'axe optique. Si on fait la projection orthogonale de B2 sur l'axe optique, là où B2 touche l'axe optique, c'est là qu'on va appeler A2. C'est ça qui sera l'image A2. Donc, ce qui fait qu'on a construit notre image A2B2 de A1B1. Et on voit ici que l'image, elle est réelle parce qu'il se trouve dans l'espace image réelle et qu'elle est renversée. L'image étant réelle parce qu'il se trouve dans l'espace image réelle. Elle est réelle et renversée. Maintenant, ici, on va voir ici pour un dioptre qui est divergent. Un dioptre qui est divergent, ça veut dire que donc, le foyer principal image se trouve dans l'espace objet. Le foyer principal image ici, elle est là. Il se trouve donc dans l'espace objet, dans l'espace image virtuelle. Et le foyer principal objet se trouve dans l'espace image réelle. Maintenant, ici, on a notre objet A1B1. La première règle, c'est toujours la même. Tout rayon incident passant par le centre n'est pas dévié. Il continue. La seconde règle, tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer principal image. Ici, on voit que le foyer principal image il se trouve là. Donc, ce qu'on fait, on relie ici le point F2 et le point de rencontre ici. On les relie par une droite qu'on prolonge dans l'espace image réelle, comme ici. La dernière règle, c'est tout rayon incident passant par le foyer principal objet F1 émerge en étant parallèle à l'axe optique. On trace ici un rayon incident. Et arrivé ici au niveau du dioptre, on le prolonge en pointille. Maintenant, là où le rayon incident touche le dioptre, c'est là qu'on va tracer le rayon réfracté qui est parallèle à l'axe optique. Il est là. Donc, on a nos trois rayons réfractés ici. Le premier qui est là. Le premier qui est là, excusez-moi. Le second qui est là. Et le dernier qui est là. On voit ici que dans l'espace image là, nos rayons réfractés ne se touchent pas. Donc, on va faire comme pour ce qu'on fait toujours. On va faire le prolongement dans l'espace objet. On fait le prolongement et on voit qu'ils vont se toucher ici. Et là où ils se touchent, là, c'est le point de concours, ça qu'on va appeler l'image B2 de B1. En faisant la projection orthogonale sur l'axe optique, on va avoir l'image A2 de A1. Et on a notre image A2 B2. On voit que notre image A2 B2, il se trouve dans l'espace objet. Donc, il se trouve dans l'espace image virtuelle. Comme il se trouve dans l'espace image virtuelle, on va dire que notre image, elle est virtuelle.
Et comme l'image A2B2 est dans le même sens que A1B1, on va dire que l'image est agrandie. Donc, on a une image virtuelle agrandie. Ici, on voit qu'elle est rétrécie. Pour les grandissements, les formules sont données dans le fascicule. Donc, vous les retenez simplement. Ce qu'il faut retenir maintenant pour le diopte sphérique, c'est la même chose. Il faut retenir la relation de conjugaison avec origine au sommet, la relation de conjugaison avec origine au centre, la relation de conjugaison avec origine au foyer, le foyer principal image, comment on le détermine, le foyer principal objet, comment on le détermine, les relations, les conditions de convergence d'un diopte et les conditions de divergence d'un diopte et les règles de construction. Si vous retenez ça, c'est bon pour le diopte sphérique. Maintenant, le chapitre sur les systèmes optiques à phase sphérique est terminé. Dans le cours prochain, on va essayer de voir les lentilles minces et essayer de faire la même chose avec les lentilles minces, de voir les relations de conjugaison et les règles de construction et les foyers principaux d'image, où est-ce qu'ils se trouvent. Je vous remercie et à la prochaine fois.